exerce combattant, réunis le dimanche 3 novembre 2024 à la gare de Mbayako, au quartier Sokoura à Boaké, des ex-combattants des forces nouvelles de Côte d'Ivoire ont interpellé les autorités sur leurs conditions de vie. Après leur participation à la crise militaro-politique qu'avait connu le pays, ils se disent royalement oubliés après avoir contribué à instaurer un climat de paix. C'est pas un climat de paix que vous avez instauré, c'est drame que vous avez déposé à la tête de la Côte d'Ivoire. Autour de leur président Diakité Abodou, ses ex-combattants, à travers une déclaration, ont mis en exergue leurs souffrances et invité les autorités, avec à leur tête le président Alassane Ouattara, à se pencher sur leur situation. Amra Pédafrique, écoutez. Je m'adresse à notre président de la République, Alassane Ouattara. Les ex-combattants souffrent depuis 2017. Ça va pas. On ne travaille pas. Nous sommes abandonnés par tout le monde. Si on cherche travail et on sait que nous sommes des ex-combattants, on ne trouve pas. Nous sommes humiliés chaque jour, chassés dans les maisons. Les anciens boxeurs sont payés par moi. Les anciens footballeurs sont payés par moi. Les anciens chanteurs sont payés par moi. Et les ex-combattants, quand on parle, on nous frappe, on nous emprisonne. Souvent même, nous sommes assassinés. Quelle maltraitance que nous n'avons pas eue. Sapeurs-pompiers est vide. Eau et forêt aussi est vide. Même dans la police municipale, nous pouvons intégrer. Aujourd'hui, les ex-combattants ont décidé d'entrer au Burkina Faso pour prendre armes pour devenir VDP AES. J'ai des preuves sûres. Je suis prêt à répondre partout. À l'aller là-bas. Il y a 9 ex-combattants qui sont rentrés au Burkina Faso. À Wongolo, Diawala, Ferke, Ma, Boaké, Abidjan. Je ne parle pas dans le vide. J'ai des preuves sûres. Il dit il y a des ex-combattants qui sont rentrés au Burkina Faso pour devenir VDP. Moi-même, j'ai fait la prison 2 fois. Ma première arrestation, le 1er novembre 2017. J'ai été libéré le 10 août 2018. Par grâce présidentielle. Ma deuxième condamnation était le 10 décembre 2018. Incarcéré à la Maca et libéré le 28 décembre 2022. 4 ans plus 1 an, ça fait 5 ans d'emprisonnement. Tout simplement parce que j'ai revendiqué. Tout ce que je peux dire à notre président, si tu refuses ton propre couteau, quelqu'un d'autre va prendre pour utiliser contre toi. Il n'y a rien à faire. Ah non, Yoromani. Je vous rappelle, en 1999, quand les militaires ont réclamé leur argent à Pédier, ils voulaient payer au coût de la réunion de PDCI. Il y a des gens qui se sont imposés que si Pédier paye, ils vont démissionner. Mais quand les militaires ont commencé à tirer, Pédier s'est retrouvé seul à l'aéroport. Où étaient les politiciens? En bas du lit, c'était le mort. En bas du lit, c'était le bon. Souvent, c'est bien de se conseiller soi-même. Les politiciens du RDR, 95% n'ont pas été honnêtes avec nous. Le RDR est devenu RDR Orange. Qu'est-ce qu'il dit là? Et dit, le LDR est devenu LDR Orange. Ils ont percé. Ils sont en train de sucer. Ils sont en train de manger. Avec. Attendez d'abord, on va se calmer. Hein? Le LDR Orange. On est calmé un peu d'abord, j'ai compris en Afrique. Pendant la vidéo. Voilà.
Le RDA est devenu RDA Orange. Ils ont percé. Ils sont en train de sucer. Ils sont en train de manger avec les deux bras sans regarder derrière. Chaque mardi, il y a un conseil de gouvernement. Personne ne parle de nous. Chaque mercredi, il y a un conseil des ministres. Personne ne parle de nous. Nous, les ex-combattants. C'est pas gentil. Nous voulons passer à la caisse comme les 8000 casseurs militaires. Nous voulons passer à la caisse comme les 8000 casseurs militaires. Nous sommes 6877 ex-combattants. Je m'adresse à notre ministre de la Défense Télébrément. Les ex-combattants voulaient vous rencontrer. Nous avons beaucoup de choses à vous dire. Je sors pour la troisième fois pour demander pardon. Pour que nos frères d'âme qui sont en prison à la Maka soient libérés. Il s'agit de Sori Kaba, Tangara Diakarida dit Tango, Draman Sanogo dit Boer, Traoré Lasna dit Gaucher et Ouattara Issouf dit Diablo. Les ex-combattants qui sont au Burkina Faso aujourd'hui dépassent 100 personnes. Même en janvier, il y a eu recrutement au Burkina Faso. Tous les ex-combattants sont en train de devenir AES. Je vous demande pardon de trouver une solution à nos problèmes. Il y a un proverbe qui dit « Un homme sans souffrance n'a pas d'histoire. » Les ex-combattants de Côte d'Ivoire ont eu une histoire aujourd'hui. Même pour circuler dans la ville, nous avons des problèmes. La police nous parle mal. Une fois que tu te présentes, on te dit « C'est le passé. » Ça nous fait mal. Je remercie la gendarmerie qui nous considère sur toute l'étendue du territoire. Une fois que tu te présentes à la gendarmerie, on te laisse partir. Mais la police, trop de conjugaisons. Il faut que ça s'arrête. On doit nous respecter comme les autres corps. Nous sommes des militaires. Notre seul espoir aujourd'hui, c'est le ministre de la Défense Télébrément. Nous, les ex-combattants, nous vous demandons pardon pour régler notre problème. Depuis le 27 septembre 1994, nous sommes avec le RDA. Vous avez entendu, les ex-combattants, ils disent depuis 1994, ils sont avec le RDA. Mais ils nous ont trahis. Ils nous ont trahis. Nous sommes découragés. Notre seul espoir, c'est vous, monsieur le ministre de la Défense, Télébrément Ouattara. On vous remercie beaucoup. Tous les politiciens du RDA ont des ex-combattants chez eux à la maison. Ils connaissent bien notre problème, mais on ne parle jamais de nous. Tu n'aimes pas ton mari, c'est vrai, mais il ne faut pas que ta rivale l'aime. Pour toi, c'est autre chose. Ils ont un problème, hein? Tu n'aimes pas ton mari, mais tu ne veux pas que ta rivale l'aime, toi, c'est autre chose, t'es des sorciers. Nous sommes devenus cacahuètes. Tous les côtés sont brûlés. Nous n'avons plus de soutien. Une chose est sûre, un jour, vous allez prendre torche pour nous chercher en pleine journée. Ah non, on ne le souhaite pas. Nous, on veut que tout se règle à l'amiable. A fait savoir Diakité Aboudou, président des ex-combattants de Côte d'Ivoire. Diakité Aboudou, président des ex-combattants de Côte d'Ivoire. Si tu rejettes ton couteau, quelqu'un d'autre peut l'utiliser contre toi. Si tu refuses ton propre couteau, quelqu'un d'autre peut l'utiliser contre toi. Et dit, il y a 100 personnes. Il y a 100 ex-combattants qui sont derrière le Burkina Faso. Qui sont des VDP. Ok. Et dit, eux, tous sont devenus AES. Et dit, eux, je veux les gérer à plein venir. Hein, toche. Donc, chers camarades, ça, c'est le cri de cœur des ex-combattants de Draman Ouattara. Ceux-là, ils disent qu'ils sont 6700, 6877. Et eux aussi, ils veulent leur 12 millions, 12 millions. Ils veulent leur 12 millions, 12 millions. Comme les 8400. Ils n'ont pas reçu l'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc, Romain. Romain. Ils disent depuis 1994, ils sont avec le RDA. Depuis 1994, ils sont avec le RDA. Ah non, chers camarades d'Afrique, l'heure est grave. L'heure est grave. Donc, voilà un peu ce que disent les ex-combattants du Draman. Mais c'est grave, hein. Ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils sont RDA, puisqu'ils s'adressent au RDA.
Babou a dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas qui était Draman. Il va vous tuer un à un, un à un, un à un. Amusez-vous à lui. Amusez-vous à lui. N'oubliez pas de faire des S-combattants là. Hein. Pour rentrer dans la République. Hein. N'oubliez pas. Hein. Restez dedans. Il va vous liquider un à un, un à un, un à un. Il doit finir avec vous. Vous le dites RDR. Le RDR vous a sucé, comme tu l'as dit. Vous a sucé, vous a jeté. Mais quittez RDR. Allez au PPACI. Ça fait quoi? Tu étais dans un parti politique. Le parti t'a sucé, t'a jeté. Mais quitte le parti. Va dans un autre parti. C'est tranquille. Allez-y dans un autre parti. Et puis c'est simple. Hein, je vous dis, si vous restez dans ça là. Excusez-moi. Si vous restez dans ça là, ils vont faire vos sauces. Déjà eux-mêmes, ils ont des prisonniers encore. Ils ont mis 5 prisonniers qui sont incarcérés à Ramaka. Les ex-combattants. Oxymo voit les erreurs, mais dit, oh, le PAC, pardon. Hein? Ouais. Ouattara, c'est pas la peine. Hein? Si vous jouez Ouattara, c'est un sanguinaire. Ouattara, c'est un sanguinaire fin. Donc, la petite, il y a une députée, oh, j'ai oublié, c'est pas grave, je vais en parler demain, voilà, on voit sur la toile de ces temps-ci, affaire des Libanais. Tu passes ici, Libanais. Tu passes là-bas, Libanais. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec les Libanais? On dit, il y a 200 000 Libanais qui sont en train de rentrer en Côte d'Ivoire. À cause de la guerre entre Israël et puis le Liban. Il y a 200 000 Libanais qui sont en train de rentrer en Côte d'Ivoire. Il dit, mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas vérifié ces chiffres. Mais ce que j'ai pu vous dire, pour ceux qui sont furieux, qui sont fâchés contre l'immigration des Libanais vers la Côte d'Ivoire, je ne comprends pas pourquoi les gens sont surpris. Et moi, je ne comprends pas pourquoi ils sont surpris. C'est aussi compliqué, hein. Tu sais, quand tu apprends le coup à un vieux qui fait coup du soir, quand tu lui dis bon, ah, bah, et qui n'arrive pas à répéter, bon, pour toi, il est nu, mais il ne connaît pas. C'est pas il ne connaît pas. Qui il n'arrive pas à répéter. Donc, quand je vois ça, je dis c'est parce que les gens, ils ne savent pas ce qui se passe dans cette affaire du Libanais, qu'ils ont du mal à comprendre et qu'ils s'insurgent. On dit il y a marche, on dit il y a une manifestation à Abidjan le 8 novembre par rapport à ça. Je vais vous dire une chose. Draman ne vous laissera jamais manifester. Ça fait un. Deuxièmement, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un territoire d'outre-mer de la France. Même la Kanaky, on va dire, fait preuve d'indépendance vis-à-vis de la France et de la Côte d'Ivoire. Même la Martinique fait preuve d'indépendance vis-à-vis de la France, que la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ça? La Côte d'Ivoire aujourd'hui appartient à la France. Ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui appartient à la France. Alors que le Liban, là, c'est comme un territoire français. Est-ce que vous comprenez? Le Liban est comme un territoire français. C'est vrai que le Liban est pour la France comme Israël est pour les États-Unis. La France a une mainmise totale sur le Liban. Vous comprenez? Et le Libanais accepte ça. Le Liban est le territoire français du Moyen-Orient. C'est à travers le Liban, la France fait ce qu'elle veut dans le Moyen-Orient. La France participe à la vie du Moyen-Orient. À travers les Kanakis et tout, la France participe à la vie du Pacifique.
à travers les Martiniques et tout, la France participe à la vie des Antilles, des Caraïbes et tout. Donc, ça, c'est le pied, ça c'est le territoire des Français, le Liban. Mais, c'est les Français, c'est ce Liban-là qui est attaqué par Israël. Vous n'avez pas vu comment la France est sortie de ce camp quand Israël a décidé de rentrer au Liban? Vous n'avez pas vu comment la France est sortie de ce camp? Ils ont rappelé l'ambassadeur, ils ont convoqué l'ambassadeur israélien en France. Ils ont convoqué l'ambassadeur israélien en France. Ils ont convoqué l'ambassadeur d'Israël en Espagne et dans d'autres pays de l'Union européenne, en solidarité avec la France. Ils ont convoqué une réunion du Conseil de sécurité aux Nations Unies. Jusqu'à Israël a interdit son territoire à Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Israël lui a interdit son territoire et les personnels non grata là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, pour vous dire combien de fois la France est impliquée au Liban. Mais, c'est les Libanais qui sont attaqués. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une partie de la France qui est attaquée. Et comme la France ne peut pas les accueillir, tous les réfugiés ne peuvent pas être accueillis en France, alors on les envoie en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire qui est un territoire de la France aujourd'hui. Quand je le dis, je n'ai même pas honte de le dire. Clairement, je vous le dis, la Côte d'Ivoire appartient plus à la France qu'elle n'appartient aux Ivoiriens. Vous comprenez ça? Voilà la réalité. Donc, quand ces Libanais arrivent là-bas, les gens pensent que c'est des étrangers, que les gens... C'est pas les étrangers, par rapport à la Côte d'Ivoire. Les Libanais, là... Mais la Côte d'Ivoire ne nous appartient plus. Elle appartient à Macron. Mais regardez, c'est lui qui s'implique dans nos affaires politiques. C'est lui qui veut installer Thiam à la place de Ouattara. Vous comprenez ça? Donc, il est en train de faire venir les Libanais, puisque les Libanais ont problème. Vous comprenez? Donc, il les envoie là-bas, puisqu'ils ont problème. Et lui, Macron, il ne peut pas les accueillir ici en France. Il y a trop de problèmes. Il y a trop d'histoires. L'extrême droite, les Marine Le Pen n'aime pas les Arabes, n'aime pas les Noirs. Donc, si tu les envoies ici, là, eux, ils sont majoritaires à l'Assemblée. Bon, ils sont pas majoritaires. Ils sont faux à l'Assemblée nationale. Ils vont envoyer une motion de censure. Ou bien, ils vont s'ajouter à Mélenchon pour censurer, comment il s'appelle, là, le Premier ministre, là, pour les mettre bas, pour les mettre KO. Donc, Macron a peur. Il faut les envoyer en Côte d'Ivoire. Mais, ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que le gouvernement Ouattara lui-même, là, mais il dépend aussi des Libanais. Le gouvernement Ouattara qui est là. Il est soutenu à bout de bras par les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire. Je prends un exemple. Les ferrailleurs qui ont tiré Ouattara à Deguepi là, les ferrailleurs d'Abobo là, pourquoi il a fait ça? Il a fait ça à la demande des Libanais qui sont établis à Trècheville, qui vendent les pieds détachés. Parce que la casse les dérange. Vous comprenez ça? La casse les concurrencie. Donc, eux, ils n'ont pas besoin de concurrents. Ils sont venus l'argent à Ouattara. Ouattara les a dégagés. Vous comprenez ça? Deuxièmement, c'est les narcos. Regardez, vous allez voir un Libanais. Il a seulement un restaurant de shawarma. Un restaurant où il fait shawarma. C'est son business qu'il a. Un restaurant où il fait shawarma. Mais quand tu vois sa voiture, quand tu vois sa maison, quand tu vois son train de vie, et puis tu y as Shawarma là. Oh, c'est Shawarma là qui te permet de faire tout ça là. C'est Doi. C'est une entreprise écrite qui l'utilise pour blanchir l'argent de la drogue. Puisque le Hezbollah qui se bat contre Israël, le Hezbollah a besoin d'argent pour financer sa guerre. Qui finance l'argent? Qui finance le Hezbollah? Les gens diront c'est l'Iran. Mais l'Iran vend les armes au Hezbollah. Sinon, le Hezbollah lui-même a ses moyens de revenus. Le Hezbollah lui-même, il est dans le business de drogue. Vous comprenez ça? Il y a suivi un documentaire de la DEA sur ça. Mais l'argent de la drogue du Hezbollah, là, mais où on blanchit ça? On blanchit ça chez nous, dans nos pays. Tu vois un Libanais qui descend en Côte d'Ivoire, il est gay. Il ouvre un magasin. Et puis il y a son train de vie.
Et puis tu ne comprends pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les Ouattara là dépendent de ça. Mais vous savez que Ouattara c'est un narco. Ouattara c'est un vendeur de drogue. Donc c'est les amis. Regardez le baron de la drogue qu'ils ont arrêté à San Pedro. Où il y a eu beaucoup d'implications de policiers et tout. C'est un quoi? C'est un Libanais. C'est un Libanais. C'est le vrai narco en Côte d'Ivoire. C'est le vrai narco. Donc, ils tiennent le gouvernement de Côte d'Ivoire en main à travers le trafic de drogue et consorts. Ça fait un. Deuxièmement, ils tiennent le gouvernement de Côte d'Ivoire à travers leur affiliation à la France. Vous comprenez, hein? À travers leur affiliation à la France, ils tiennent le gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc, vous pouvez lutter contre ces gens-là. Vous pouvez lutter contre ces gens-là. Vous ne pouvez pas lutter contre ces gens. Ils sont trop puissants. Leur réseau est trop puissant. Pour lutter contre eux, il faut descendre Draman. Pour lutter contre eux, il faut descendre. Draman qui ne résiste pas devant l'argent. Il ne résiste pas devant l'argent. Quand tu lui tailles, il prend. Mais Ibrahim Traoré l'a dit ici. Il y a les Libanais qui sont contentés de le corrompre. Attends, ils voulaient récupérer un hôpital du Burkina Faso. Ils ont proposé, je crois, deux à combien de milliards. Ibrahim Traoré a refusé. Mais si tu ne peux pas refuser, ils vont te tenir. Ils tiennent Draman. Ils le tiennent. Et c'est la même chose. Quand la question de Oubia a commencé, je suis sorti après. Il dit ça ne va aller nulle part. Parce que le gouvernement Draman Ouattara ne peut pas aller contre eux. Mais aujourd'hui, le temps m'a donné raison. J'ai dit ce jour, si Draman Ouattara a pu prendre une loi pour interdire ça, j'arrête la politique. Il ne peut pas. Vous comprenez ça? Il ne peut pas. Donc, les Libanais, là, ils viendront par milliers, par centaines de milliers, par millions, et puis il n'y aura rien. Et puis d'ailleurs, même si vous ne faites pas attention, il va vous faire sortir pour les votre demi. Ils vont construire des maisons pour eux, ils vont les loger. Et puis il n'y a rien qui a sorti dedans. Oui, il n'y a rien qui a sorti dedans. Voilà. C'est pourquoi on vous dit, allez vous faire enrôler, préparez-vous à prendre la rue. Préparez-vous à prendre la rue. Mais les Ivoiriens, ils sont prompts à bavarder sur les réseaux. Ils sont prompts à bavarder dans les salons. Mais jamais tu ne vas les voir dans les luttes. Tant que vous serez dans ça, vous allez tout pleurer. Tant que vous serez dans les victimisations, dans les indignations incessantes, dans l'inaction, vous allez toujours pleurer. Vous allez toujours souffrir. Vous allez avoir Christ qui est toujours dans vos maisons. Pourquoi les gens parlent à peur? Pourquoi tu parles à peur de l'être humain? Et on est là, oh, on adore Dieu. Oh, Dieu est fort. Oh mon Dieu. Mais tu adores Dieu. Tu as confiance en Dieu. Tu aimes Dieu et tu as peur de l'homme. Donc Dieu te protège la nuit, mais il ne peut pas te protéger contre l'homme. Hein? Non, mais quand même, il faut essayer de sortir de la peur. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut essayer de sortir de la peur.